doit protéger les minorités. Toutes les tribus au Congo, toutes les ethnies sont minoritaires au Congo. Ce n'est pas seulement les Banyamoulés, ils sont minoritaires. Alors pourquoi faire allusion seulement à eux? Parce que les Congos, État international, ils veulent toujours nous diriger. Chose que les Congolais n'accepteront jamais. Les preuves sont là, avec Mandatchouch, plaque tournante de la destruction de Bokanabiso. Vous comprenez? Il est complice dans l'Iwa Moussé. C'est Mandatchouch là aussi. Il va déjà pour ça la plan pour éliminer notre président Tshisekedi. Mandatchouch, il est tout. Oyambaï Awa comme un réfugié, mais il a complice au sein. Il est en contact avec ses adjoints présidents africains. Pourquoi les locaux Katumbi a vu Bouana? Pourquoi j'ai l'ambition de misérer au Tshisekedi? Parce qu'il a compris qu'il y a des Congolais moins intelligents, comme de Daniel Safou, de Moukebaï, va soutenir rien. Pardon? Parce qu'il a compris qu'il y a des Congolais moins intelligents, comme de Safou et de Moukebaï, va soutenir rien. Entre guillemets, les députés. Députés nationaux. Députés. Ce ne sont pas les députés, ce sont les députés. Bonjour, président Marseille. Bonjour, monsieur le journaliste. Président Marseille, bonjour, partout. Ils ont plus de 150 000 abonnés, branchés. Bienvenue dans le plateau spécial à Congolais Télévision à Boca Marseille. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis là pour vous dire que l'actualité à Boca Nabiso est préoccupée de plus haut niveau. Merci beaucoup, président Marseille. Tu es aussi marqué que tu es na bande de sources Bayimboka qu'on la télévision va commencer à nous déjà na élongé dans le cadre de la télévision. Nous avons les aïe Koya en Boka Marseille. Vous allez moko ya ba cofondateur ya structure ya sénateur ba sénateur debout. Vous allez président sénateur debout en Boka. Alors les Bayimboka va retenir soit en piste na baï tali structure ya sénateur. Bah, sénateur debout IDPS. Comme je ne cesse de le dire, Sénat debout, c'est une structure qui a été créée au sein de l'IDPS après les élections chaotiques il y a 2011. Laquelle structure a qui nouveau vent, un courant de pensée autour de Misaki, parce que jadis, bah, combattant à IDPS, ou bah, c'est regroupé au sein par le Parlement debout, bah, mais c'est un système qui a rangé Bango, Moutoua Télémi, Azo a rangé Bango. On avait compris que beaucoup de combattants bah, qui suffisamment outillés politiquement. Voilà pourquoi nous avons à créer le Sénat comme un forum de réflexion. Tout le monde est sur la question politique et puis à la fin, tout tirer un peu conclusion. Voilà un peu à bref, Sénat debout. Ils ont une structure, ils ont recruté de nouveaux membres, ils ont formé et puis ils ont orienté dans la cellule respective à IDPS. Donc, ils ont aidé notre secrétaire général, Auguste Kabouya. Merci beaucoup, Mme Boka Marseille, M. Koulou Bordali, président et sénateur debout. Après tout ça, la émission de réflexion sur la situation politique et la République du Congo. Mais la situation sécuritaire et la République du Congo, ils ont préoccupé par Mboka Ebele. Qu'est-ce qui ne va pas dans la partie est de Mboka Nabiso? Puis, bande de Kouna, ils ont appelé en plus une sécurité pour ça. Mais tout ça, nous avons commencé à une union sacrée au charte de Mboka Nabiso. Tout ce que nous avons dit, Mboka Ebele. Avec mon pandi à FCC, se rejoindre mon amour à fait à toi de ce qu'est des pourtant je suis Kabila à 15 collaborateurs malam bayon boucan à Mazalaki bayon sous attaché à mon amour à faire toi de ce qu'il est mon amour que t'es que yo moyen boca moyen analyste politico moyen cadré ya parti cher mon amour à faire ce qu'il dit comment vous êtes en train de voir cette vent là et union sacrée mon amour à union sacrée comme plateforme électorale et à ma bêté mais sauf que batu oyo baza ko s'adhérer na kati ya union sacrée mingi te ni passé na bango za malamu te sont des gens mingi ba essayer ceux qui baza fidèle à Joseph Kabila parce que lelo qu'est-ce qui a fait que ba ça là revirement on ambala moko ba soutenir Félix Tshisekedi qu'est-ce qui a fait que lo abandonner Kabila ba pas Félix Tshisekedi on comprend que ba intérêt égoïste na bango parce qu'ils ont compris que Kabila n'est plus au pouvoir et lo ba union sacrée est-ce que lobby ba quitter Félix Tshisekedi te parce que toi ba politicien pour congolais malam. Parce que bango politique ali affaire yali bumuna bango batala ka ba intérêt na bango non intérêt à peuple congolais parce que le seul parti politique oye bunda pour na intérêt à peuple c'est l'IDPS yango mona ki IDPS azala ki parti prenant na ba gouvernement nyo sur les cas na mboka oye en commençant par Mobutu Kabila le père Kabila fils et lelo oye IDPS yé boka ju pouvoir pour na ko matérialiser vision na ye yali peuple d'abord mais crainte ça na niveau nini parce que la plupart batu wana ba ina union sacrée et belé passé dans bango za malamu te bazab à la base il y a destruction mboka mais mon change chaque mon mboka Marseille bazab à la base il y a destruction mboka o bango na Kabila est-ce que lelo oyo nini ba ko na mo ya sika pour aider le chef de l'état
parce qu'il est au monde Tshisekedi par rapport à sa vision il y a quoi aider Mboka ou et tellement bango est-ce que va apporter nouveau vent, c'est ça la crainte pour na biso union ça fait ça blanchissérité et belé d'entre eux bazana va contenter avec la justice pensant que quoi la union sacrée et qu'on dénonce bon la justice c'est faux. Tout celui qui est impliqué dans le détournement, peu importe appartenance à l'Union sacrée ou pas, justice est poursuivie. Donc, l'Union sacrée va être baptisée blanchissérité. Tout celui qui vient à l'Union sacrée, il y a un combattant à l'Union sacrée, à ça qu'on dit ça. Même si le peuple, le combattant à l'IDPS, le communicateur à l'IDPS, il faut dénoncer, il faut justice à ça comme il s'est dit. Mais je ne sais pas si c'est ce qui a changé. Pourquoi vous êtes toujours dans la constitution de la Calat toujours? C'est ça notre souci. Pour l'Ingibaya pour apporter un nouveau vent dans la vision d'un chef de l'État. Ce qui est la mentalité de Mouyakala, avec les mêmes pratiques, il y a des détournements, il y a des pratiques qui sont autodécrites, qui est, en tout cas, pour la justice, dans le peuple congolais, dans le chemin de Bango. Parce que tu es un malade. Et je dirais que Boka Pilipili, ici, la solution de Moussoukoli, sont des gens qui s'habituent à déjà détourner Mouyakala à l'État. Parce qu'il y a des gens. Est-ce qu'il va changer? C'est ça le point d'interrogation. Ce qui va changer, c'est une bonne chose pour nous, pour accompagner les chefs de l'État, et pour matérialiser la vision de les peuples d'abord. Mais ce qui va avoir la même pratique, en tout cas, la justice congolaise, ça, Moussa, n'a comme il se doit. Mais madame Bokatan, la justice congolaise, je suis de côté, au thème qui est madame de la justice, Marose, madame Bokatan, c'est comme on a, mais c'est qu'on a activé mon salaire qui convient, c'est pas prisonnier, qu'on soit prisonnier, on peut avoir un bête, on peut avoir un bête, on peut avoir un bête. Oui, na sepe la ki mingi, ne na ebisa ki yo, moi na mboka, Rose Mutombo, abanda ki empe ko lala, abanda ki empe ko salamu salamu ala mute, to mona ki beaucoup de magistrats verre, basilistra ki na ba pratique oyo, to décria ki yango hier, et les mêmes pratiques, wana ebanda ko continue na gouvernement, moi na mboka, Félix Tshisekedi, oyo to combata ki. Il y a un moment où il y a télémela qui est, mais il y a sepeli na yoki qui a convoqué qui ba kundi à chaque ligne à juridiction à bendi ba mon matoui. Alors maintenant, avant de vous sanctionner, le magistrat verra. Ceux qui ont sali en moto, ils ont beaucoup. Ceux qui ont sali en moto, ils ont un plateau, ils ont télémela, ils sont sous le président pour l'Omoulaye. Nous avons besoin des gens qui sont venus pour aider les chefs de l'État. Na pilier na ya justice aux alliés distributive. Tout boy dit justice aux alliés inférieurs comme par le passé. Tout boy justice à deux vitesses. Oh, les plus forts ne basera toujours la raison à la justice. Pendant qu'il constitue le lobby, tout le monde est égaux devant la loi. Tout moni bateau basa ba homme fort y a hier, ba y a la régime oh mini ba pillé ba détourné bon ba moka ba mona basa di banda lelo. Il y a beaucoup de dossiers où il y a détournement. Tout le monde combien battu dans basa dénoyé la justice na biso ou amboka na biso. Pendant que leur implication y a qui déjà avéré que baza va détourner mon mboka. Mais tout le monde à notre grande surprise juste libéré bango mais la paisible citoyen oya bunda qui na moi sinaye a des fois qui lit pas bango na ba couper la prison yango tout boy ma justice a deux poids deux mesures tout boy justice ça va homme fort tout le monde est égaux devant la justice oya ibimbo mboka axa à sibir peine comme ça prévu dans code pénal na biso ya mboka na biso. Merci beaucoup, Mme Mboka Marseille, sénateur. Tout le monde a dit ce que le secrétaire, il y a parti Est et Mboka Nabito. Si on a Mme Mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, si on a convoqué réunion Moko, ou bien la réunion au Samana Katia Goma, ou bien ici, le chef d'état-major, tout au Bazali, ou bien le Bazali, prenant la Katia EAC, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit que bon, il y a un 23. Parce que EAC, comme le cola, moi, Bekina Bango moi moke mon amboka. Qu'est-ce que cela veut dire mon amboka? Tu te souviendras même c'est qu'il y a une émission passée que la force régionale ils ont un agenda caché pour notre pays. Tout c'est voilà qui la face était. Parce que Hollanda n'a pas déclaration à Bango de part et d'autre, Bango nous on se parle moko que nous sommes venus au Congo non pour combattre. Mais tant vous voulez pas combattre été. Vous une mission observation comme MONUSCO. Alors ce que les autres décrivent qui MONUSCO par rapport à sa mission à observation, et vous aussi, la force régionale, vous revenez encore pour la même mission. Voilà pourquoi, dans ces pays, le VPM, il y a défense à convoquer, pour clarifier sur ça. Parce que lorsque notre chef de l'État, à côté qui n'a EAC, il y avait un article au Biboué. Lorsque l'un des pays membres à EAC a agressé, tous les pays partis prenantes dans la EAC, ils ont prêté main forte pour combattre. Insécurité dans le cas de mais boni, la force régionale est dans le cas de la même langage, même déclaration. Voilà pourquoi moi, dans le
Jean-Pierre Bemba a convoqué tous ses chefs d'état-major, il y a ma force ouané na katambo kana biso pour nous clarifier leur mission. Koyebi sabango ke mission ba mezali ya ko traquer les M23 et les groupes armés. C'est ça la mission au Bayi na kata Congo. Baza mission observation té parce que soba ki mission observation tomoni pourquoi ba gaya na mboka na biso parce que nous avons déjà MONUSCO qui a sa mission au ya observation au peuple aza ko décrier pendant plus de 20 ans. Alors, bango ba ye awa pour combattre M23. Mais tu dois comprendre que la déclaration na bango est un peu ndenge mokona ba déclaration M23. C'est ça sous-entend que bazala ki na agenda caché, ba ye va prêter Kagame main forte parce que Kagame déjà aza na débandade par rapport ya ba ya la FARDC na biso à mettre RDF en débandade, à mettre ba mouvement terroriste nyo en débandade. Voilà pourquoi Kagame a luka beki maintenant à travers EAC, la force à EAC. Voilà pourquoi mon amboka Jean-Pierre Bemba, connaissant ces jeux, a convoqué bango dirigeance pour une réunion, ba mekeko clarifier par rapport à la mission na bango na Congo. Leur mission n'est pas une mission d'observation, comme certains chefs d'état-major laissent entendre pour créer confusion dans les Congolais. Mais pendant que leur mission, c'est là qu'il y a pour traquer les M23 et d'autres groupes armés. Voilà pourquoi mon amboka a convoqué, mon amboka a clarifié par rapport à leur mission. Qu'est-ce que tu parles par rapport à Eva et à Monsieur ce que mon a projet y a bâclé c'est comme ça beaucoup basse beaucoup bang parce que basse on conquit au Yobai en 23 basse au Tika zoomon a Kenya Zuawa Uganda Zuawa Soudan est-ce que mon amboka et projet bâclé ça ne commet à la verre à la portée mon amboka à Marseille mon amboka il faut que complot à balkanisation ça date plus ou moins de il y a 6 décennies mon amboka en Abissou on comprend que au lendemain il y a indépendance en Mboka Nabiso, tout le monde a dit notre premier ministre Lumumba a fait la déclaration wana, que les Zaïre, les Congo est sous menace à balkanisation. En son temps. C'est-à-dire c'est un complot qui date de très longtemps. Tout le monde a Mobutu Aye a vu pouvoir à Ebisibiso. S'il faut conclure l'alliance avec les diables pour maintenir la paix aux Zaïre, je le ferai. Parce qu'il faisait toujours allusion à ces complots et à balkanisation. Tout le monde a Mouze Aye. À sali à les gens même Linoin, même Tshisekedi. C'est pour vous dire que ces complots à balkanisation, ils sont déjà en gestation. Ils sont en phase de mise en œuvre. Il y a un moment où Kabila mission en Zouaki Nambo Kanabiso Yamouana. Il y a pour matérialiser cette vision à balkanisation. Ni t'était la vigilance du peuple congolais, surtout la partie est en Bokanabiso, avec ma force et autodéfense, ni basalaki obstruction na phase wana ya accomplissement ya mission ya balkaniser mboka na biso lelo lisusu cette mission ya cette mission eza toujours en gestation ya ko balkaniser Congo ya ngomoni ba force régionale ba yewana mais leur mission eza un peu flou. Voilà pourquoi notre VPM Bemba a bengisi bango ba clarifier parce que ba clarté tolanda première déclaration, il y a présidente, il y a Tanzanie, sous Lusamia, elle a été claire. Alors dit que mes troupes, bah qui na Congo, pour combattre au côté à FARDC, pour bouter dehors, bah force armée au bas au sommet, tenir la partie est à Congo. Tout le monde a dit les sous, bah troupes ougandaises ont dit la même chose. Mais qu'est-ce qui fait que subitement comme ça, bah on y en sort, en commençant par la dame là, il y a Tanzanie, alors dit que bah troupes tanzaniennes, bah pour nous combattre. Tout le monde déclaration à Rwanda, et pardon, il y a Ouganda, déclaration à Kenya, même déclaration. Qu'est-ce qui se cache derrière ma déclaration Rwanda? Voilà pourquoi mon amboka, Jean-Pierre Bemba, comprendre ces jets, qui ne va prêter main forte à Kagame, va pèser à Béki. Il y a un moment où Bemba va convoquer Bango, va clarifier sur leur mission. Au cas contraire, dans le pays respectif, il va FARDC, parce que FARDC est déjà sur le terrain en matière de puissance. Tout le monde dit combien la FARDC est malmenée M23 sur notre sol. Parce que la mission va nous donner les M23 à Okwe Sagoma pour soumettre le chef de l'État Nabiso Andima, va contraindre, pardon, Andima pour négocier avec les M23. Mais tout le monde dit comment nos FARDC va contenir Assonion sur M23. Bah, je dis mal, il y a quoi ça goma. Maintenant, comme ce plan a échoué, bah, il y a aussi la forme et la force régionale. Bah, il y a force, il y a awa, parce qu'à chaque fois, dans la déclaration du gouvernement ougandais, tant que les troupes sont en Bounagana, bah, le binin, bah, le bike, bah, milite, bah, troupes ougandaises, bah, il y a aussi la, bah, il y a créer zone neutre. On comprend. Qui dit zone neutre? Zone tampon. Et vous vous souviendrez, quand on a un mauvais souvenir à zone tampon, au Islam, à Soudan. À cause de la zone tampon au Kenya, Salaki, Ouganda, dans le Soudan, et l'autre Soudan et Kabouana en deux parties. Voilà pourquoi les Congolais sont avertis. Tout ces jets, ils sont traités par les Occidentaux.
mais ces forces régionaux bon c'est la gérer à Bamindili. Voilà pourquoi on a dit ça que on a un peu cette confiance, mais sauf que le président était malin. Il y a au côté na kata EAC pour na ko déjouer plan à Bangou, parce que le col à Congo va na ko préparer la guerre contre le Rwanda, parce que chaque na Bangou lobi si l'un de leurs membres est attaqué, toutes ses forces vont prêter main forte. Au Monique, ceux qui combattent avec Rwanda, toutes ses forces vont maintenant attaquer Congo. Tshisekedi étant un fin politicien, a déjoué carte wana. Il n'est pas eu pour côté dans la EAC pour na kosala eke mission wana et ça l'a échoué. Lorsque le Congo va attaquer le Rwanda, le EAC a côté la nani, parce que tous les deux pays font partie à carte EAC. Voilà la politique qui se fait dans le Rwanda. Au bas peuple belge va nous comprendre. Mais sur terrain, par rapport à la faisabilité maintenant, tu comprends que ces forces régionaux bah un agenda caché par rapport à la charte na bango. Parce que Tshisekedi, le Congo est agressé. Le Congo est partie prenante. Il y a charte na bango, il y a EAC. Mais pourquoi bazo attaquer maintenant le mouvement M23T pour nous dire que bah pour nous ça là zone tampon zone neutre. Voilà pourquoi Tshisekedi, comprenant ces jeux, il a instruit les VPM de la défense à Bengabango va clarifier sur leur mission. Elle dit Sabango, votre mission est allée défensive, est allée offensive contre ces mouvements terroristes M23. Merci beaucoup, mon avocat. Nous l'avons vu, Jean Abango, vous allez défensive, vous allez offensive. Ton andaki Emmanuel Macron, en Chine, a condamné catégoriquement Russe. Il est reçu vis-à-vis de l'agression. Nous sommes en Ukraine. Mais pourquoi pas Macron à Est-ce que vraiment la guerre d'ambition est vraiment considérée sur le plan international, mon amouka Marseille. Parce que plus de 2 millions de morts, silence bouge, silence béna, naïve communauté internationale, mon amouka. Qu'est-ce que du soumis tout mena pour vous abandonner jusqu'à ce niveau ici? Cela justifie complot au réalisme qui est la première émission à Salaka. Mais que complot contre les Mali, complot international. Voilà pourquoi Macron ne peut que dire ça. Parce que pour eux, les Congo, c'est une foire. Les Congo, c'est cause de stabilité politique. C'est ça le problème. Parce que stabilité politique dans le Congo, c'est un gage de développement au Congo. Voilà pourquoi on a à chaque fois, ce qui est guerre à l'Est, si là, Monisco a créé une insécurité à travers les groupes armés pour mboka na biso et zo développement na yangoti. Yango moni ke lelo ebisangai le Congo et l'Ukraine ezali membres bango so ba ratifier ba charte ya ONU. N'est-ce pas? Mais pourquoi des traitements différents? Parce que l'Ukraine est attaquée par la Russie, tout moni le voit se soulever de par le monde. Tout moni ba condamner yango na ba organismes nyo internationaux. Mais pourquoi au Congo ba zo condamner Rwanda ti? Pourquoi na Congo ba sanctionner Rwanda ti? Pendant que vous pensez que sanctions en Russie, malheureusement, les lots vont induire le président ukraine en erreur. Plus de 200 000 militaires ukrainiens vont couper la guerre au monde. Presque 3/4 du pays est conquis par la Russie. Mais il y a beaucoup de gens qui président ukraine les lots, Russie, ont perdu les militaires à cause de la grande puissance de conseiller. Vous comprenez? Moi, je pense que dans le monde, il y a la loi du plus fort. Si c'est qu'il comprenne cela, il y a un moment la mise à condition de l'armée congolaise. Parce qu'à comprendre que tant que notre armée sera faible, comme voulu par Kabila, les Rwandais continueront toujours à agresser le Congo. Il faudra maintenant faire la mise en condition de l'armée Nabiso. Mettre des moyens. Au moment où loi A, ils ont voté. Sur l'armée, ils ont voté. Plus de 1 milliard de dollars, bah, tiennent à l'armée Nabiso. Formation et armée. Lelo, Tshisekedi a bondi par sa diplomatie, ba lever mesure, il y a information pour nous armes na Congo, ba koisi embargo, lelo Congo ba niko somba armes. Lelo l'armée congolaise a monté en puissance et comme sixième armée na carte ya monde, de Afrique pardon, voulais-je dire. Voilà pourquoi Tshisekedi a compris cela. Na phase auto okindi, Tshisekedi est en malin. Abandé ko salva manœuvre pour préparer notre armée parce que en son temps cela va attaquer Rwanda avec tous ses infiltrés au sein de l'armée. Tout le monde a guerre haute. Voilà maintenant aujourd'hui les Congo comme la position à force. Maintenant il y a un moment chez ce qui le chef d'état-major, mon amour, Tshiwewe, a dit c'est prépare les troupes, nous allons en guerre contre le Rwanda. Olanda qui est en route qui est en Suisse, a dit si bon amour, on a qu'à la Suisse, il a lobby la patience a ses limites. Vous comprenez? Je reviens encore à dit ça quand on a qu'à sommet à Rwanda. À l'objet, je vais soit la paix totale, soit la guerre totale. C'est pour vous dire que le président maintenant est conscient que notre armée, à cause de la face de la Rwanda, peut remporter la guerre. Voilà. Sur l'Anda qui sous chef d'état-major, moi, Namboka, Chico Chitambo, il a été clair dans le point de presse de ça. Abi, nous allons combattre les Rwandais et nous allons remporter cette guerre.
parce que tu yebi que sur le plan militaire les Rwanda ont ça la face na Congo ti même ba mindele ba soutenir ba yebi yango malam yango muri chisekedi a compris cela à questionner la voie diplomatique pour na kotali sa la face du monde que le Congo est agressé avec des preuves à l'appui parce qu'il y a un rapport Ozaki conçu par la MONUSCO ont établi la responsabilité à Rwanda na Kagame mais jusqu'à cette heure les Rwanda n'est pas toujours sanctionné les Rwanda n'est pas toujours sanctionné Kagame n'est pas toujours sanctionné cela sous-entend que les complots est déjà international voilà pourquoi Tshisekedi a compris cela Tshisekedi a compté sur la mindelité parce que lorsqu'il va frapper le Rwanda monde entier est condamné été parce que ma voyageur a salaki de trop et c'est pour nous retaler sa banque que le Congo est agressé avant d'être sonné la sonnette d'alarme pour nous retaler sa banque que le Rwanda et Kagame va agresser le Congo comme basali sourd d'oreille le Congo doit se prendre maintenant en charge comme disait Mouzé Congolais doit se prendre en charge pour nous défendre l'intégrité territoriale en Bokanabiso c'est ça le problème. Merci beaucoup mon ambouka Marseille et tout bien ma munda munda mon vieux tout bagage de mon valeur lundi le tout cause de mon actualité mingi vraiment ma capacité parce que tout à l'heure on est semé nous au Kenya dans mon ambouka tout bête dessus au si que talana nous loi à notre chani vous aurez cité toujours les tensions tout le monde qui représentant à MONUSCO madame Bitun Keita a signé au thème la loana de ce qu'on peut mon église catholique au thème toujours loana bah il mboka msusu ya église protestant pourquoi pas si soit ces deux cela mais c'est les journalistes pour la tension mais c'est les journalistes je vais vous dire par rapport à cette question na ko zalimpe méthodique marna oluba a ce que moni un congolais quelqu'un qui se réclame congolais a otelé na loi chani comprenez que ça allégé de l'ennemi na ebisa ki awa pona bango le congo c'est une foire le congo c'est une foire parce que ce qui batché un vrai congolais de père et de mère a dit j'aime mboka au komona ko défendre l'intérêt en mboka comme akile ko ganga la preuve est là avec Tshisekedi au moni que Tshisekedi aïe a renoncé à tous les accords au Kabila signaki pendant 18 ans avec le Rwanda pour côté Kamabe côté Kambo Kanabiso. Le retour est une histoire papa. Le 1er février 84, la loi a été votée na parlement à Zaïre. Par rapport à cette loi, le 9 février 1984, et ça na constitution à Zaïre. Alors, le candidat président à Congo, à Zaïre à l'époque, il doit être des Congolais, des pères et des mères. Et Zali, il va faire un chiffre. Dans la loi, il a voté le 9 février 1984, au Zaïre, en son temps. Mais pourquoi tu as dit que San City, il a dit que c'est tu comprendras que c'est un dessin. Parce que tu as dit que tu besoin d'imposer les étrangers, de diriger les Congo. Dans le temps, le Congo est pour belle été. Je crois, moi, je suis fridolé à mon nom. Cette loi a été votée dans ces pays, au Zaïre à l'époque, le 9 février 1984. Pourquoi, en son temps, fridolé à mon nom, alors que loi n'est divisée par les Congolais? Est-ce qu'en son temps, il n'y avait pas de Rwandais dans ces pays? Est-ce qu'en son temps, il n'y avait pas les étrangers dans notre pays? Pourquoi fridolé à mon nom? En son temps, je crois qu'il peut être mon Seigneur. Pourquoi il y a Fridolin Mbongo à l'obagité que Luana est là qui votait le 9 février 1984 et qu'on divisait les Congolais? Pourquoi l'obagité que Luana est discriminatoire? Pourquoi l'église catholique en son temps l'obagité que Luana est discriminatoire? Seulement aujourd'hui, Luana est comme discriminatoire. Papa, nous sommes des intellectuels. Mbongo, je pense que tout ce qu'il fait est à la diversion ou amalgame. Il fait le jeu de l'ennemi. Dans l'autre côté, il dit monde entier et ses kabiso. Ok? Il y a un étranger qui a dirigé pendant des années dans Mboka. Monde entier et ses kabiso. Il y a un moment où il y a Gabon, il y a dit ça Jamping. Oh, ils allaient Congo. Si on comme président qui est né dans Congo, ils allaient insister au peuple congolais. Vous comprenez? Pourquoi tant que San City, le mot Luana, ils allaient voter par le 9 février 1984, le mot Luana pour nous comme président. Aux Congolais des pères et des mères. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bah, il faut bah, imposer les étrangers dans la Katamboka. C'est ça le problème. Mais il y a des gens par leur calcul. Les Congos, c'est une terre promise. Comme on considère que les sous-hommes sont ratés,
nous n'avons pas droit à bénéficier de la terre promise au Congo. Il fallait maintenant battre la biso, bah étranger va diriger biso. Les lois au quota là, selon la mine les calculs na bango, il faut bah nilotique ouana, bah touchi, bah exercer influence en Afrique centrale. C'est ça les calculs. Bah on a qu'à Mozambique les lois. Bango ouana touchi a dirigé Ouganda. Pour eux, ils veulent que les Tutsis d'Iba soient influencés sur l'Afrique centrale. Mais ouais, Tutsis, c'est un peuple nomade, mais il faut que soit un peuple minoritaire. Peuple minoritaire ou pas, tant que tu dois te conformer à la loi de Mboka. Voilà. Comment est-ce que tu as un Mboka Batou, au lieu de maintenant, au diriger Mboka, c'est ça qui est Mboka. C'est ça le problème. C'est-à-dire cette loi est salvatrice pour notre pays. Tout Congolais au monde, à Zoboya Lorana, à Osala G ennemi. Comme mon amboka fridolé en monde. On comprend? N'a pas dit que toutes les lois au monde sont discriminatoires. Toutes les lois au monde. N'a pas dit que pourquoi les lois Katumba Zui Gouana? Pourquoi Zui ambition de Mizira au dirigeant Bissot? Parce qu'il a compris qu'il y a des Congolais moins intelligents, comme de Daniel Safou, des Moukebaï, qui ne soutenir rien. Pardon? Parce qu'il a compris qu'il y a des Congolais moins intelligents, comme des Safou et des Moukebaï, qui vont soutenir rien. Oh. Entre guillemets, les députés. Députés nationaux. Députés. Ce ne sont pas des députés, ce sont des députés. Bon, ça, la honte, c'est d'abord des Congolais. Parce que Katumbi, il est Zambien de par sa mère, grec de par son père. Pourquoi Katumbi n'a pas eu les goûts et a dirigé la Zambie? Parce qu'il a dit que les Zambiens vont permettre à monter. Parce que la loi zambienne dit ceci. Pour être candidat président, il faut être des pères et des mères zambiens. Mais lui, il est des mères zambiens. Na Congo, na Zambie. Place Nini ou Azali, Azali, bien accueilli. N'est-ce pas aux Zambies? Mais pourquoi qu'ils habitent? Bon, Kachobo Zarani, je m'en ai aidé mon amboka. Pardon? Kachobo. Kachobo. Kachobo, n'a dit Kachobo. Non, non. Katumbi, Azali, Katangé, T. Et puis certains Katangé naïfs. Au Bazon Dima, Katumbi comme Katangé. Ce sont des naïfs. Ce sont les mêmes Katangé. Pas tous les Katangé. C'est certains Katangé là naïfs. Wana, bandima aussi va étranger comme Katangé dans Mboka Nabiso. Comme? Vous comprenez? Les lotana qui moi Mboka, les feux, professeur Émile Oyakoufo, Bagomaye, je crois, à l'Obani, c'est lui qui avait donné Congo à Kabangé à Joseph Kabila. Oh. Il a été clair, professeur Émile. Vous comprenez? Devons-nous continuer à être naïfs si à niveau ni va congolais? Soi-disant certains Katangé. Les gens ont le Katumbi qui n'est pas connu, mais il y a 1%. Mais on a certains Katangé à cause. Il y a un bon bon Sabango, bon ça va dire que ça va soutenant cet étranger Katumbi. Quand même, le Congo n'est pas un dépotoir. Le Congo n'est pas une poubelle. Que nous devons accepter tout. Et ça lui plaît à Bamindele. Et j'ai dans le Bango, s'il faut, bengana cette dame-là à Monisco, madame Bintou Keïta, qui est les noirs au service des blancs. En tout cas, il faut les chasser de notre pays. Il faut la chasser. Vous comprenez? Il n'a pas à s'ingérer dans la politique interne en Mboka Nabissou. Elle n'a pas ces droits-là. Dans son pays, le Mali, que dit la loi malienne? Pour être président dans Mali, il faut être des pères et des mères maliens. Keïta dans son pays d'origine, Mali. Mais pourquoi allons-nous ça la bêtise dans le Congo? Comment ça poubelle dans la monte? Vous comprenez? Si certains Congolais ont fléchi à cause des billets verts, et il y a d'autres Congolais qui n'ont pas encore fléchi, nous serons là pour défendre notre pays. Au détriment des naïfs, des corrompus, des liens. Mais c'est que l'église catholique, ils ont toujours des occidentaux pour la volonté de Bango, pour manipuler certains Congolais naïfs. Elle a piloté un complot en 2018 pour imposer candidat européen qui était mon amour de Fayoulou et échoua. Et aujourd'hui, la même église revient encore pour la recevoir des questions comme tapageuse. Qu'il doit comprendre. Moi, je suis Fridolé Mbongo, Mboka Oeza laïque. L'église catholique n'a pas de monopole dans ces pays. Vous comprenez? Les Congolais sont déterminés à verrouiller la fonction chef de l'État. Parce que les Congolais n'est pas une poubelle. Comme les Blancs, ils prétendent qu'imposer les étrangers, cette fois-ci, pour les cater. Parce que les Congolais sont conscients, nos députés sont conscients par rapport à la GOYO, sécuritaire Yamboka n'a pas su faire face à cause d'infiltration OYO, elle a eu Yamboka par les Rwandais. Je vois aussi ces soi-disant députés nationaux, ces Rwandais là, c'est Claude Nyarugabu, qui prend les leaks, ça veut dire que le président a négocié avec les M23. Voilà des bêtises encore dans ces pays. Pardon? Il dit au cours d'une interview que.
gouvernement congolais et négocier dans M23. Voilà des bêtises encore. Moi, je pense que nos députés vont voter contre ces touches. Parce que ces touches sont un danger permanent pour notre pays. Ce sont nos frères. Non, ce sont nos frères africains. Ce sont nos frères africains. Mais malheureusement, ils vont jouer les jeux de l'ennemi. Vous comprenez? Ils sont le peuple congolais. Plus de 12 millions de morts à cause de la touche. Vous comprenez? Comment ils ont poubelle l'État? Les pays comme des réfugiés, ils ont les goûts, il y a qu'on dirigeait du sou, à moins que nous soyons des bêtes. Et ces députés disent quoi? Il faut que le gouvernement de Kinshasa a négocié dans la M23. Quelle bêtise! Lorsqu'il fait allusion à la négociation, il a fait allusion, il va prendre en compte encore les cahiers d'échange à M23. Chose que le président avait refusé catégoriquement. Voilà pourquoi Bissot Tosenga va débiter dans Bissot. Va voter la loi moko contraignante contre ces peuples maudits, Yabatouchi, au Bazou, qui a toujours semé terre dans le monde pendant plus de 3 décennies. Trop, c'est trop avec ces peuples Tutsi. Ils ont été chassés dans la Tanzanie. Plus de 200 000 Tutsi rwandais, dans la Tanzanie, à cause du comportement au Yabamou. Partout, Bazalaka, il faut toujours semer la terre pour exercer influence sur leur pays. Pays d'accueil, eux, Yabibino. Trop, c'est trop. Du reste, ils ne sont pas des Congolais. Vous comprenez? Communauté Tutsi et Hutu-Wap, dans notre constitution, nous avons 250 ethnies, 450 tribus. D'où viennent les communautés? Il y a un moni Kabila. Na batunaye, ba salango a dessin, ba kotisa article 51 de la constitution Mboka na biso. On va protéger les minorités. Toutes les tribus au Congo, toutes les ethnies sont minoritaires au Congo. Ce n'est pas seulement les Banyamoulé qui sont minoritaires. Alors pourquoi faire allusion seulement à eux? Parce que les complots État international, ils veulent toujours nous diriger. Chose que les Congolais n'accepteront jamais. Les preuves sont là. Avec Mwanga Tchoutchou, plaque tournante, sa destruction de Mboka Nabiso. Vous comprenez? Il est complice dans l'Iwa Musée. C'est Mwanga Tchoutchou là. Il a déjà qu'on a plan pour éliminer notre président Tshisekedi. Mwanga Tchoutchou, il est Tutsi. Toyambaï Awa comme un réfugié, mais tel est complice au sale. Il est en contact avec certains présidents africains. Pourquoi les Katumbi a joué Gouana? Pourquoi j'ai eu l'ambition de misérer au dirigeant Bissot? Parce qu'il a compris qu'il y a des Congolais moins intelligents, comme de Daniel Safou, de Moukebaï, qui vont soutenir rien. Pardon? Parce qu'il a compris qu'il y a des Congolais moins intelligents, comme de Safou et de Moukebaï, qui vont soutenir rien. Oh. Entre guillemets, les députés. Députés nationaux. Députés. Ce ne sont pas les députés, ce sont les députés. Nous vous connaissons bien beaucoup à tous les partenaires dans la Congolais télévision. Je m'adresse à certains catholiques. Bon, se laisser manipuler par Ambongote. Ambongo fait les jeux de nos ennemis. Toutes les lois au monde sont discriminatoires, en commençant aux États-Unis. Aux États-Unis, pour être président, il faut au bout de la carte États-Unis. Il y a un moment Obama, papa Naza Kenya, maman n'est Kenya, a dirigé États-Unis parce qu'il y a un moment États-Unis. Contrairement à Kissinger, papa Naza qui est américain, maman américaine, a un moment de l'Ibanda États-Unis, a une chance à rediriger États-Unis. À cause de la loi Nabango, n'est-ce pas cette loi discriminatoire? Sauf que na Zambie Nabango comme Mama Katumbi, pour être président, il faut être congolais de père et de mère. Alors ben il va pourquoi maintenant Nabango a la diversion? Pourquoi ça amalgame pour induire certains inconscients en erreur? Nabango a cessé avec ses aventures. Babanda car l'Église catholique de soutenir toujours la mafia européenne. Parce qu'il va financer Kabango. Cette fois-ci, Congolais n'y sont pas debout. Tu vois, la confession religieuse a plus de 4, plus de 8. Vous comprenez? Tout le monde a d'autres confessions religieuses, va soutenir la loi. Tout le monde est musulman, tout le monde est église de réveil. En tout cas, tu félicites Bango. Bango peut passer à l'église, la confession religieuse. Et ça, l'église, parce que les catholiques et les protestants font le jet à l'européen. Ces deux églises-là. Vous comprenez? Ils font le jet à Bango et à Mboka. Église catholique et église protestante. Cette fois-ci, tu as tenu à l'air. Peuple congolais n'est plus deep, n'est plus naïf. Cette loi doit passer. Si certains congolais estiment que Bango ne va pas congolais comme les Kabiso, tu as coûté à la Bango Nanzela, tu as la majorité. Parce que cette loi doit passer. Biso, peuple congolais, averti, tu as coûté la loi de l'Eka. Tu as aussi invité la Biso. Bazo m'a cimenté. Moutouma, au banque, ça va m'a zaté. Si certains Katangé naïfs,
pensent que ces Congo appartient au Katangé, bah sont micros ça. Les Congo n'est pas Congo à Katangé. Ok? Si hier, bah ni magi bêtise ouana, y a constaté bah étranger. Cette fois-ci, tout Congolais bah ça déterminé dans toutes les provinces les 26 pour que cette loi est passée. Tout Moïse cette fois-ci, bah étranger bah dirigeant en Bokao. Parce que Congo est sa poubelle. Moïse a qu'il a postulé en Zambie, a qu'il a postulé en Israël. Fayou a qu'il a postulé en Sénégal. Les Congo c'est pour les Congolais. Merci moi Mboka Marseille comme pour les Congolais on voit comment les gens Mboka Bimbo Watalo partout dans mon intérieur qui contacter moi Mboka Marseille. So bolingi bo zwanga bo benga plus de na plus 243 81 52 99 123 plus 280 et plus 243 81 52 99 123. Boye baki mikolonion so obwanda ko zwanga na kata Congo live. Donc ça sera permanent na kata Congo live so bolingi bo zwa analyse. Na ben information c'est limbo kana biso bo s'abonner massivement encore ne bo s'abonner à toujours na Congo live eux ali chaîne ou epesa ba information malamu banalise malamu to kutena bino à la prochaine bye bye bye.